Bonjour à tous et bienvenue au serre de Marcel. Euh, donc l'idée aujourd'hui c'est de vous faire une petite vidéo pour vous présenter l'historique euh, sur la dernière année euh, de cette serre-là particulièrement aujourd'hui et de vous montrer tous les essais en couvert permanent qu'on développe depuis un an. Alors, on a fait quelques vidéos l'an dernier euh, à l'automne. Euh, même il y a un peu plus d'un an, à l'automne 2021, et on n'a pas refait de vidéo depuis parce que beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire, et puis on attendait un petit peu d'avoir euh, des retours concrets sur nos essais. Et bah, comme ça s'est plutôt bien passé, que c'est très prometteur, euh, bah, c'est le moment de refaire... Euh, des petites vidéos pour vous présenter tout le travail qu'on a fait euh, courant 2022 et vous présenter aussi euh, la suite des essais qu'on va faire là en 2023. Donc là on est dans une serre en verre, euh, bon il y a quelques vitres cassées qu'il va falloir qu'on répare, qu'on nettoie un petit peu. Euh, C'était une serre en fait qui était intégralement occupée avec des tables chauffantes pour faire du plan de légumes et des fleurs. Euh, on ne savait pas trop quoi en faire quand on l'a récupéré puisqu'en fait il y avait toutes ces tables et puis des dalles de béton un peu partout. Euh, entre chaque table. Et puis en réfléchissant un peu, on s'est rendu compte que les petites dalles de béton qu'il y a partout là, entre les rangs de culture, entre les allées de culture, euh, bah, en fait, elles avaient un entraxe d'un mètre soixante, un mètre soixante et qu'en fait bah, c'était assez idéal pour faire des cultures d'été, tomates, concombres, euh, haricots, pourquoi pas et donc, euh, une des premières idées, c'était de faire sauter les dalles de béton, en se disant que ce n'était pas très très sol vivant d'avoir des dalles de béton un peu partout. Et puis, tout compte fait, on s'est dit, bah, on va avoir des allées de circulation euh, assez sympathiques, on va pouvoir venir avec des chariots de culture, etc. Et en fait, ça va être pas mal du tout. Donc, on les a gardées. Et en fait, entre chaque allée en béton, on avait encore accès au sol. Donc, une fois qu'on a eu démonté toutes les tables, euh, et bah, on, on s'est dit qu'on allait faire les cultures. Dans le peu de surface où on avait accès au sol, et que ma foi, ça ne serait pas si grave que ça. Euh, on allait mettre la ration du sol, on allait mettre les couverts entre les petites euh, bandes bétonnées, et ça n'empêcherait pas totalement le sol sous les allées en béton de redevenir vivant, puisque les racines allaient y aller, euh, l'irrigation allait y aller par euh, infiltration, et on allait bien voir ce que ça donne. Alors, dans cette serre, donc, il y a. En gros, une cinquantaine euh, d'allées, comme ça, de lignes de culture où on avait encore accès au sol. C'était un sol qui n'avait pas vu de racines depuis à peu près une trentaine d'années. Et on est sur des sols euh, à la grosse louchée euh, 50% sable, 50% argile, et puis euh, quand même pas mal de cailloux. Euh, donc ce n'est pas des sols formidables. C'est des sols qui sont à la fois euh, difficiles à travailler. C'est des sols qui étaient très compactés, qui étaient totalement inertes, on va dire, sur le plan euh, biologique. Mais malgré tout, on a réussi à faire quelque chose. Euh, L'idée du couvert permanent, euh, c'est aussi que face à des sols très argileux, si on veut vraiment restructurer l'argile, euh, à un moment, l'activité lombricienne n'est pas suffisante et il faut vraiment amener beaucoup beaucoup de chevelu racinaires pour aller décompacter tous les petits agrégats d'argile et euh, recréer un peu de porosité dans ces sols. Alors si on n'a que des vers de terre, malgré tout, on arrive à avoir un cycle de la fertilité à peu près cohérent. Euh, les vers de terre mangent de la matière organique, euh, ils minéralisent, ils font des mucus, ça nourrit les plantes. Donc ça peut le faire, mais euh, on avait envie d'aller beaucoup plus loin sur la thématique des, des couverts permanents. Donc vis-à-vis -vis des couverts permanents, en fait, euh, bon, bon moi ça faisait une dizaine d'années que j'avais envie de travailler sur ce sujet. Ça me semblait être un peu l'aboutissement de toute notre démarche en maraîchage sol vivant. Sauf qu'en fait, euh, on a eu beaucoup d'autres problèmes à résoudre avant. Le premier problème qu'on a eu à résoudre quand on a démarré le réseau de sol vivant il y a une dizaine d'années, c'était quand même de remonter les taux de matière organique des sols pour avoir une structure physique et récupérer une porosité correcte dans les sols. Donc là-dessus, on s'est beaucoup appuyé sur le bilan humique, sur les travaux du GCBR sur les BRF, comment on utilise les matières ligneuses, comment on utilise les matières cellulosiques. Comment on les enfouit, avec quelle épandeurs, avec des pailleuses, avec ceci, avec des rotavateurs, des déchômeurs, etc. Donc, moi, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, dans le réseau MSV, on maîtrise relativement bien ces techniques-là, qu'on a bien compris toute la notion d'indice de stabilité biologique, d'humification primaire, de bilan humique, etc. Et que donc, aujourd'hui, euh, partout où il y a besoin de remettre de la matière organique dans les sols, on y arrive toujours à peu près. Euh, et les calculs qu'on fait euh, en intrants massif de matière organique donne toujours des résultats euh, sur le terrain qui sont assez proches de ce qu'on avait prévu. Donc pour moi, ce sujet il n'est pas totalement clos mais on a déjà bien avancé et dans à peu près toutes les situations on arrive à remonter les taux de matière organique et à retrouver des, des structures de sol. Le fait d'avoir une structure de sol avec de la matière organique en fait n'amène pas forcément à la fertilité. Et ça, ça a été le deuxième gros sujet qu'on a dû travailler ces dix dernières années, c'est le retour des vers de terre et notamment des anésiques, puisque Marcel Boucher nous avait bien expliqué que les anésiques, les anésiques c'était les vers de terre les plus utiles pour l'agriculture, c'est eux qui allaient manger la matière organique, euh, produire des mucus, qui allaient nourrir les plantes. Donc ça, ça a été aussi une découverte assez importante, c'est de se rendre compte que la nutrition des plantes passait à 70-80% par le métabolisme du vers de terre. Et ça remettait en question beaucoup de modèles euh, basés sur l'idée que les plantes vont se nourrir euh, en allant chercher des oligoéléments dans la solution euh, de l'eau du sol. Et il s'avère en fait que euh, même si les plantes sont capables d'aller chercher des oligoéléments dans euh, la solution de, du sol, ben, en fait, c'est surtout des mucus de verre de terre que les plantes mangent. Donc une fois qu'on a eu débobiné ce dossier, le, le résultat le plus important, le, la chose la plus importante à retenir, je dirais, sur le le redéveloppement et le retour des, des vers de terre, c'est qu'en gros, quand on part d'un sol dégradé avec des populations de vers de terre de quelques dizaines de kilo hectares, il faut deux ans pour que la population de l'ombricien euh, se redéveloppe, atteigne une biomasse à l'hectare d'environ une tonne et qu'on retrouve un cycle de la fertilité à peu près cohérent. Donc à peu près partout où on a fait ça, euh, où on a mis à manger dans le sol, qu'on a arrêté de tuer les vers de terre, qu'on a mis suffisamment d'humidité pour qu'il se redéveloppe, on a vu quasiment systématiquement le, la population de lombriciens revenir au bout de deux ans. On a eu quelques exceptions à ça, euh, c'est notamment chez les séristes en serre chauffée, où il n'y avait plus un seul verre de terre à l'hectare, et donc là on s'est retrouvé euh, un peu embêté, parce que comme il n'y avait plus du tout de reliquat de population, bah, il ne revenait tout simplement pas, même au bout de deux ans. Alors là on a développé une solution qu'on a mise en œuvre ici, qui est intéressante, qui est qu'en fait les euh, donc vont mettre en gros euh, deux ans à revenir. Euh, mais deux ans c'est quand même un peu long. Ça veut dire que pendant deux ans, il faut mettre en place une stratégie de transition où on va nourrir les plantes avec des engrais divers et variés, peu importe fondamentalement. Mais pendant deux ans, on va être obligé de mettre en place un plan de fertilisation soit à base d'engrais chimiques, de matières organiques ou quoi que ce soit, pour pouvoir produire pendant deux ans en attendant que les vers de terre reviennent. Et la bonne idée qu'on a eue quand on a travaillé sous serre avec les différents séristes, ça a été d'utiliser dans un premier temps les épigées, les vers de terre épigées, pour accélérer la manœuvre et pouvoir malgré tout avoir un cycle de la fertilité naturelle basé sur les vers de terre en attendant le retour des adéciques. Alors pourquoi les épigées bah, Tout simplement puisque euh, les épigées se multiplient beaucoup plus vite et euh, on peut partir d'une population de 5 kg hectares et arriver en 6 mois à une population de 5 tonnes, 10 tonnes si on a envie. Donc l'idée, c'est de s'appuyer dans un premier temps sur de la fertilisation pendant une période d'environ 6 mois. Au bout de ces 6 mois, on peut obtenir une population très importante de vers de terre épigées qui va minéraliser les matières organiques qu'on lui donne à manger, qui va nourrir les plantes. Et ces épigées vont nous fournir de la fertilité pendant un an, un an et demi, et au bout de deux ans, on devrait, si on a réinoculé quelques années, s'il reste quelques années dans le système, euh, pouvoir s'appuyer sur les années pour prendre le relais de la fertilité sur les années suivantes. Et pour rappel, euh, c'est pas parce qu'on a retrouvé une population d'anésiques au bout de deux ans, qu'ils ont eu le temps. De faire des galeries à 25 mètres de profondeur et de vraiment fortement décompacter les sols. Disons qu'au bout de deux ans, la population elle est là, elle mange des matières organiques, elle minéralise, mais il faut lui laisser encore quelques années, je dirais, pour vraiment pouvoir euh, perforer de manière euh, très importante le sol et recréer une très grande porosité au sol. Donc voilà, après ces considérations sur les, les vers de terre, l'idée ça a été donc d'essayer d'enfouir un peu de matière organique là dans nos petits espaces de sol. Alors ça a été un peu compliqué, on a pris un petit tracteur cubotaque, un tout petit déchômeur, on a essayé de manœuvrer comme on a pu. Ça a été un bazar sans nom. Euh, et comme on avait des tuyaux d'irrigation partout, c'était quand même un peu compliqué. On avait des poteaux aussi, tout ça. Bon, donc on a gratouillé comme on a pu, on a enfoui de la matière organique un peu comme on a pu. Et on a pris plutôt le parti de faire des jolis andins de matière organique euh, sur le sol en se disant que... Cette matière organique elle allait nous servir euh, de substrat de plantation, d'habitat pour les vers de terre épigés, donc sur les deux premières années. On allait planter ça là-dedans. Et puis ensuite, l'idée étant à terme d'être en couvert permanent, c'est le couvert permanent, c'est les racines des couverts permanents, c'est les racines des cultures qui vont aller décompacter le sol en profondeur, les vers de terre qui vont offrir de la matière organique. Et on s'est dit que ça devrait aboutir. Et que dans un premier temps, on pourrait produire dans cette espèce de faux sol qu'on vient mettre par-dessus, qui est en fait de la matière organique. Tout simplement. Alors là-dessus, on a eu un petit déboire, puisque euh, on s'était fait livrer du broyat de déchets verts criblés. Assez intéressant, parce que comme il était criblé à, à 50 mm, en fait, il était assez facile à épandre. Euh, on pouvait le prendre à la fourche, à la pelle, euh, il glissait très bien euh, quand on le versait à la boîte, etc. Euh, sauf qu'en fait c'était du broyat criblé à 50 mm qui était censé être déjà semi-composté, et en fait il ne l'était pas, il était encore très frais, ce qui ferait que quand on a fait nos andins, eh ben, on a eu une jolie fin d'azote pendant deux mois, avec plein plein plein, plein de champignons qu'on poussait partout, nos tomates et nos concombres, puisqu'on a fait des essais de tomates-concombres qui ont jauni, euh, on a essayé de compenser avec divers engrais pour faire des essais, bon on a surtout cramé des racines de tomates, euh, puisque je le rappelle, hein, pour euh, compenser une fin d'azote, on parle de milliers d'unités d'azote hectare, donc des milliers de kilos d'azote pur à l'hectare. Et donc mettre cette quantité d'azote quand il y a déjà une culture qui essaie de s'enraciner, c'est vraiment très compliqué. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas de technique. Si on était avec des gouttes à gouttes, des capillaires, où on allait amener un peu de fertilisation à chaque pied de tomate, peut-être qu'il y aurait moyen de faire pousser la tomate tout en attendant que la fin d'azote passe. Mais là, on n'avait pas du tout prévu le matériel pour. Euh, donc on a fait quelques essais sur des bouts d'andins pour essayer de lever la fin d'azote et puis au final on n'a fait que des bêtises. Donc on s'est dit tout simplement on va laisser les tomates euh, bah, végéter tranquillement pendant deux mois et puis quand la fin d'azote va passer et bah, elle va passer puis les tomates vont se remettre à pousser et puis tant pis. Euh, on avait fait assez de bêtises comme ça et puis on avait euh, bien d'autres choses à faire. Ça n'a pas empêché les épigées de se multiplier. On avait inoculé donc chaque andin avec euh, quelques centaines d'épigées. Eux, la fin d'azote, ça ne les a pas du tout gênés. Ils mangent ce qu'ils ont besoin de manger, ils se démerdent tout seuls et ils se sont parfaitement multipliés. Et puis, au bout de deux mois, bah, on a vu euh, tous les champignons commencer à mourir les uns après les autres. Et tout d'un coup, pouf, les tomates se sont mis à pousser comme des folles euh, sans qu'on ait besoin de remettre d'engrais ou quoi que ce soit. Voilà. Donc, ça, ça a été le petit déboire du début. Ce qui est très intéressant, c'est que donc, dans les essais de couvert permanent qu'on a fait, euh, je vais y revenir un peu plus en détail après. <coughs> On avait fait beaucoup d'essais de légumineuses, donc trèfles, différentes luzernes, différents trèfles. Eux n'ont pas du tout aimé la fin d'azote, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce qu'elles sont censées être autonomes en azote. Non, elles n'ont pas du tout aimé. Par contre, les graminées, elles, se sont très bien sorties, notamment les fétuques. Je pense tout simplement que les fétuques ont une capacité à s'enraciner profondément, très rapidement. Et donc, elles ont été chercher des nutriments sous les andins de broyat, et elles ont très bien poussé, et elles étaient très, très belles. Pour revenir sur nos essais de couvert permanent, euh, l'idée c'était bien de trouver une recette où on allait pendant six mois euh, faire pousser les plantes avec de l'engrais. Donc ce que je n'ai pas dit c'est que dans le broyat on avait mis euh, entre 500 et 1000 unités de firme de poule, euh, puisque c'est quand même d'après mes calculs ce qu'il faut pour il faut de l'azote pour que les populations de lombriciens puissent se développer, il faut de l'azote pour que tous les champignons puissent se développer, il faut de l'azote pour que tout le monde pousse, et dans l'idée où on allait mettre une culture assez gourmande comme la tomate, plus un couvert permanent, bien, tous les calculs au bout nous ont dit qu'il fallait bien 500 unités d'azote. Euh, donc on en a mis entre 500 et 1000, parce que bah, on a mélangé ça au compost, on a tout passé à l'épandeur, on a mélangé le... enfin c'était pas du compost, donc c'était du, du broyat de déchets verts qui blé et donc on a mélangé le broyat de déchets verts criblés avec la fiante de poule. On en a fait les andins, ça n'a pas réussi à lever la fin d'azote. Euh, par contre, une fois que la fin d'azote s'est terminée, euh, il y avait de quoi manger pour les tomates. Et donc, elles ont quand même réussi à se nourrir avec toute la fiente de poule et le broyat en décomposition qu'on avait mis. Donc, on a fait cette, cette petite recette. On a eu ce petit problème de fin d'azote. Euh, sur l'irrigation... On a beaucoup réfléchi à beaucoup de systèmes et au final, euh, on est parti sur de l'aspersion avec une seule ligne d'aspersion qui est réglable, qui peut nous permettre soit d'irriguer que sur l'andin sur 60 cm ou plus large sur 1,20 m ou 1,60 m. Alors pourquoi on a choisi ça Parce qu'en fait, comme on a un couvert permanent, on a besoin d'une irrigation euh, très homogène. Contrairement, si on avait mis des gouttes à gouttes, en fait, on aurait des points d'humidité... Et il y aurait probablement une part non négligeable du sol qui pourrait rester sèche. Donc là, on avait besoin d'une irrigation très homogène. Et on avait aussi dans l'idée que euh, l'été, sous des serres comme ça, on a quand même une atmosphère qui est très séchante. Et donc, sur les périodes chaudes, on pouvait régler l'irrigation pour aller irriguer, euh, mouiller aussi les dalles de béton pour faire de la fraîcheur et remonter l'humidité. Voilà. Et au final, ça a resté un système d'irrigation extrêmement simple. Euh, c'est une ligne de polyéthylène en, en 16 mm avec un goûteur tous les 50 cm. Euh, enfin, avec un, un asperseur tous les 50 cm. Donc c'est très simple, euh, c'est très économique. Euh, et ça a bien répondu à nos attentes. La première année, on avait mis l'aspersion vers le haut. Et là, cette année, on a installé des, des supports de lianes euh, pour porter les lianes. Et avoir des fruits au-dessus du sol, puisqu'un des problèmes qu'on a eu, c'est que les fruits en touchaient fait, le sol au moment de la récolte et donc ça les salissait. Donc là, on a réfléchi cette année à un système de support de liane. On est venu réinstaller l'irrigation dessus, enfin dessous pour le coup. Et là, on a mis les asperseurs vers le bas. Et en fait, ça fait un très joli cône d'aspersion. Quand la végétation découverte est très haute, elle perturbe un peu l'homogénéité de l'aspersion. Mais pas énormément, ça arrive quand même à bien se faire. Et puis l'idée, c'est bien que là, nos couverts, on va les faucher régulièrement euh, pour que justement ça ne gêne pas trop l'aspersion et puis pour les inciter à produire, produire, produire de la biomasse. Alors pour expliquer un petit peu plus en détail notre réflexion sur les couverts permanents, l'idée, donc, ça a d'abord été de mettre en place une stratégie de reconstruction biologique des sols avec des matières organiques. D'y mettre des épigées qui vont assez rapidement nourrir nos cultures, d'attendre que les années cycles reviennent, et de faire un certain nombre d'essais, donc ça c'est tout ce qu'on a fait sur 2022, pour essayer de déterminer plusieurs choses. La première chose, c'est quel type de couvert nous intéresse, euh, et quels critères, je dirais, vont nous permettre de dire euh, tel couvert ou tel couvert, il est intéressant ou pas intéressant. Et ensuite, dans un second temps, euh, une fois qu'on a déterminé les couverts qui pouvaient avoir une utilité ou ceux qui servaient vraiment à rien, ça c'est ce qu'on va faire cette année. L'idée, ça va être d'essayer de, euh, de mesurer si sur des couverts déjà très développés, on arrive rapidement à un système totalement auto-fertile ou partiellement auto-fertile. Donc ça, c'est ce qu'on va déterminer cette année, et ce sur quoi on va travailler aussi cette année, ça va être le, le retour de la macro-biodiversité. Je vais y revenir, mais cette année, dès cette année, on a, dès que les couverts se sont implantés, on a tout de suite vu énormément de biodiversité revenir. Donc dans les essais de couverts permanents, qu'est-ce qu'on a fait On a d'abord essayé toute une gamme de graminées, euh, des annuelles, différentes fétuques. Et, euh, et différentes graminées qu'on trouve dans les mélanges pour gazon ou les mélanges prairiaux. Au final, on n'a pas vu une différence énorme entre toutes nos modalités d'essai. Euh, elles se sont très bien implantées au démarrage, elles ont été très couvrantes. Et globalement, c'est quand même elles qui nous ont produit les meilleures biomasses. C'est assez dense, c'est assez épais. Euh, une des questions pour cette année, c'est comment on va replanter dedans, est-ce que ça va bien se passer, euh, est-ce qu'on ne va pas avoir trop de concurrence au démarrage, puisque au démarrage de la culture, on va avoir notre culture, qui est une plante annuelle, qu'on va implanter dans une plante vivace, qui a déjà tout son système racinaire euh, installé. Et donc là, là, il va falloir réfléchir à comment on implante les cultures. Donc les graminées, c'était quand même très intéressant. On n'a pas vu de concurrence particulière euh, ni sur la fertilité ni sur l'eau, sauf les endroits où l'aspersion était bloquée par le, le feuillage de la, du couvert permanent. Mais globalement, on voit que ça se passe très bien. S'il y a assez à manger dans le sol, s'il y a assez d'eau pour la culture, euh, ça a très bien poussé et, euh, et nos tomates se sont très très bien développées. Au global, le résultat, hein, c'est quand même qu'on a rarement vu euh, des tomates aussi saines que ce qu'on a réussi à faire cette année. Enfin, moi, dans toute ma carrière, j'ai rarement vu des tomates aussi belles et avec une aussi belle qualité sanitaire, quelles que soient les modalités d'ailleurs. Et on a quand même vu très très peu de différences euh, suivant les modalités de couvert en termes de croissance, etc. Parce que de toute façon, on avait assez de fertilité dans le sol avec nos vers de terre, nos composts, notre ferme de poule, et donc ça a très bien poussé. Sur les tomates, en tout cas. Les essais concombres ont été un peu moins concluants. Euh, on a eu certains problèmes sanitaires, mais néanmoins euh, des très bonnes croissances. Donc, graminées, c'était pas mal du tout, c'est très encourageant, euh, mais clairement, sur les graminées, il va falloir des plantes hautes. Euh, on n'arrivera pas à faire une salade dans une fétuque, on n'arrivera sans doute pas à faire un fenouil dans une fétuque ou un épinard. Par contre, pour tout ce qui va être concombre, euh, tomates, haricots et peut-être même euh, poivrons aubergine, c'est pas. Impossible d'imaginer qu'on implante ça dans, dans ce type de couvert. Donc très prometteur. Euh, dans ce qui était aussi prometteur, euh, il y a eu les luzernes. Très bon développement. La luzerne a peut-être le défaut par rapport au fétuque d'être euh, moins envahissante. Là, l'idée, c'est quand même bien d'avoir un couvert permanent très très envahissant qui va, euh, s'il a été mal semé à un endroit, qui va tout coloniser, euh, qui va produire de la biomasse, capter de la, la lumière. Euh, et aussi, là, dans notre système, l'idée c'est que ça soit capable de ramper sur les dalles de béton euh, pour aller capter la lumière résiduelle euh, dans les allées durant l'été. Donc ça, la fétuque ne le fait pas aussi, elle colonise pas très bien le, la dalle de béton. La luzerne, encore moins, puisqu'elle marcote pas, elle ne se développe pas euh, latéralement, je dirais, et elle va assez mal coloniser les endroits où elle, est, où elle a été mal semée. Mais malgré tout, ça produit de la biomasse, c'est très couvrant, euh, donc c'est pas mauvais non plus, mais ce n'est pas forcément un choix qu'on qui, qu va garder. Quoi. Donc Luzerne, c'était pas mal, mais c'était pas non plus excellent. Après on a essayé toute une gamme de trèfles, trèfle blanc, trèfle violet, qui là ont été vraiment très intéressants, puisque ça reste vraiment au ras du sol, c'est des plantes d'ombre, elles se développent très bien sous les tomates. Et euh, chose pour nous très intéressante, c'est qu'en fait, euh, comme elles sont rampantes, qu'elles marcotent, euh, qu'elles font des stolons dans tous les sens, et eh bien en fait elles vont chercher là où il y a de la lumière. Donc en fait l'objectif du, du couvert permanent c'est que partout où il y a un peu de lumière, euh, ça serait bien qu'il y ait une plante qui se développe pour aller capter cette lumière, faire de la biomasse, euh, faire des systèmes racinaires dans les sols. Et le trèfle est vraiment un très bon candidat parce qu'on le voit ramper sur les dalles, on le voit se développer un peu plus. Partout où il y a des puits de lumière entre les cultures. Et euh, donc ça s'est vraiment bien passé avec le trèfle, c'était vraiment très encourageant. Et on s'est retrouvé dans les essais de trèfle à avoir les dalles de béton quasiment complètement recouvertes par le trèfle à la fin de la saison. Bien qu'on marche dessus, en plus, il était assez résistant au piétinement. Donc euh, toutes les gammes de trèfle étaient quand même, euh, surtout les trèfles blancs de prairie, c'était vraiment ceux qui étaient les plus performants pour, euh, pour aller chercher la lumière, pour ramper, pour se développer dans les moindres interstices de dalles de béton. Donc ça c'était vraiment une plutôt bonne plante. Et ce qu'on a vu aussi, c'est que si on le fauchait un petit peu de temps en temps, euh, le trèfle monte beaucoup moins en hauteur que la luzerne ou les graminées. Et donc il était peut-être un bon couvert permanent pour, en, pour faire des cultures d'hiver, en rotation avec les cultures d'été, sur des plantes beaucoup plus basses. Donc cette année, au serre de Marseille, sur d'autres serres, euh, on va essayer toutes les gammes de cultures d'hiver. Euh, alors, on ne va pas aller jusqu'au radis, à l'épinard et, euh, et à la carotte, parce que là, c'est des problèmes de plantation, puis on est vraiment sur des petites plantes. Mais euh, salade, pourquoi pas, fenouil, pourquoi pas, les choux, euh, les blettes, euh, enfin voilà, des plantes assez petites, euh, mais malgré tout pas trop petites, euh, qui vont se faire en plantation et pas forcément et pas en semis. Ça ne nous semble pas du tout déconnant, aujourd'hui, d'aller semer ça dans un trèfle, s'il y a suffisamment de fertilité au sol. Euh, ça nous semble tout à fait envisageable. Donc le trèfle, euh, on en a installé là cette année sur une, une quintuple chapelle et euh, dès cet automne, on va faire toute une gamme de légumes d'hiver dedans parce que aujourd'hui, euh, ça nous semble vraiment pas très compliqué à mettre en place. Dans les couverts aussi qu'on a essayé, qui était assez prometteur, donc la menthe. Alors ça, c'est vraiment la, c'était la, la bonne surprise. Euh, plante absolument féroce, qui colonise à une vitesse absolument incroyable, qui est capable de, de vraiment se développer sous les dalles de béton, de ressortir absolument partout, de coloniser complètement le, le système, qui reste très très propre, très productrice en biomasse, elle redémarre très tôt, elle s'arrête tard. Sa croissance est très ralentie quand la culture de tomates ou de concombres est vraiment très développée. Euh, mais pareil, partout où il y a un puits de lumière, elle va aller euh, coloniser le puits de lumière. Donc très bonne plante. Et en plus, ça peut pourquoi pas faire euh, entre guillemets une double culture. Vous pouvez vendre des bouquets de menthe. Bon, ça ne va pas aller très loin en termes de chiffre d'affaires, mais pourquoi pas, si vous avez un débouché sur la menthe, ce n'est pas forcément inintéressant. Donc menthe, on en a essayé trois variétés, vraiment très intéressantes. Euh, et pourquoi pas, ça peut faire une double culture. Et vraiment, ce qui est bluffant, c'est la quantité de biomasse. Euh, et c'est très adapté au serres, euh, parce que c'est vraiment un cycle indéterminé. À chaque fois que vous le fauchez, ça se redéveloppe. On le fauche, ça se développe. C'est vraiment chouette. Ça s'implante très facilement, en fait. C'est comme de l'ortie. Hein. Vous prenez un stolon, vous le mettez dans les andins. Ça pousse à une vitesse incroyable. Là, sur ces andins-là, on avait mis 20, 20 pieds de menthe, initialement. Donc euh, un tous les mètres de chaque côté et euh, ça a colonisé une vitesse incroyable. Quoi. Ça repart très bien, c'est très dense. Là pour l'instant on a essayé trois variétés, euh, ma foi elles ont toutes des résultats relativement identiques. Euh, c'est un, un très très bon candidat pour faire du couvert permanent sur des parcelles où on va mettre que des cultures d'été. Alors pour continuer sur les couverts, euh, sur les différentes modalités qu'on avait essayées. Donc là on a deux autres menthes. Ce qu'on avait essayé sur cette petite planche là-bas, c'était de prendre tout simplement euh, de scalper une prairie, d'en prendre des petites mottes et puis d'en poser un peu partout. Et en gros, l'idée, c'était de reprendre la végétation naturelle d'une prairie et de venir la mettre sur nos andins. Ce n'était pas inintéressant, on avait des rumex, des pissenlits, tout un tas de trucs rigolos. Euh, mais là, on voit qu'avec l'hiver, en fait, il y a un certain nombre de plantes qui sont mortes, qui ne sont pas très bien comportées ça ne fait pas un couvert homogène. Et, euh, et en fait, contrairement à une menthe ou, une trèfle ou un trèfle qui va très bien coloniser, on ne se retrouve pas en fait, avec des plantes vraiment adaptées à ce que nous, on cherche à faire, c'est-à-dire euh, coloniser des dalles de béton, coloniser des pieds de poteau, coloniser des, des fissures un peu partout. Donc, ce n'était pas inintéressant, c'était très couvrant. Mais au bout d'une année, on voit que euh, voilà, trèfle, menthe, c'est beaucoup plus intéressant quand même. Tout, toutes les plantes vraiment qui, qui sont rampantes, euh, sont beaucoup plus intéressantes. On a essayé sur un andin pour rigoler un peu aussi de l'ortie, tout simplement, euh, de l'ortie qu'on a récupérée euh, à droite à gauche. Alors, ça, c'est aussi une très bonne plante en termes de production de biomasse. Ça supporte relativement bien la fauche. C'est un très très bon candidat en termes de production de biomasse pour, euh, pour faire un couvert permanent. C'est vraiment redoutable. <laughs> c'est aussi bon que la menthe. Le problème, bah, c'est que ça pique. Euh, bon, mais en soi, c'est pas tant un problème. Euh, bon, mis à part le jour de la plantation, il faut mettre un peu des gants peut-être. Euh, mais après, voilà, on le fauche régulièrement. Si nos cultures sont sur les supports de liane, euh, bon voilà, le souci c'est peut-être pas se balader en short quand on taille et on récolte, parce que ça va piquer les pattes. Donc voilà, l'ortie c'est un très très bon candidat. Vraiment, euh, le défaut c'est qu'il picote un peu. Donc le, la menthe est un peu plus intéressante parce qu'elle a vraiment un développement végétatif assez similaire à l'ortie. Mais, euh, mais elle picote pas. Et en plus, on peut manger la menthe. Bon les orties aussi, on peut se faire de la soupe à l'ortie, c'est très bien. Alors l'ortie, malgré tout, on en a pas mal qui pousse un peu partout. Donc euh, je pense qu'il est très agressif, il a tendance à s'installer là dans notre système, euh, dans les bouts un et tout. Et comme il est un peu pénible à désherber, bah, je pense qu'il va s'en développer un petit peu et puis on va le tolérer comme... Euh, et puis ça va bien se passer quand même. Et puis si ça pique trop les pattes aux gens, et ben, et les arrachons. Et puis, <laughs> et puis on mettra de la menthe à la place. Euh, on s'était posé la question des plantes spontanées. Euh, il y a quelques endins en fait où on avait laissé un peu se développer différentes mauvaises herbes <laughs> avec différentes stratégies. Au final, on n'a rien eu de très très intéressant. C'était un peu la déception. Euh, J'avais un peu d'espoir là-dedans de me dire que. Dans les plantes spontanées, on allait trouver certaines choses. Euh, on a juste là une espèce de graminée rampante dont je ne connais pas le nom. Il faut que je regarde son nom exact. Qui s'est pas trop mal développée, qui est assez rampante, qui produit pas mal de biomasse. Mais elle n'est pas non plus euh, aussi intéressante qu'une menthe ou un trèfle. Donc en plantes spontanées, on n'a pas vraiment trouvé euh, de choses très, très intéressantes. Je ne dis pas qu'en cherchant, on ne trouverait pas. Euh, là, on a un projet chez un, un producteur de tomates sous serre en Martinique. On a essayé tout un tas de couverts euh, du commerce. Euh, en fait, euh, bon, comme ça venait de France, ce n'était pas du tout adapté euh, à la, au climat martiniquais. Et pour le coup, là en Martinique, euh, en travaillant sur les plantes spontanées et la flore locale, on a réussi à trouver euh, des plantes très intéressantes. Euh, pour le coup, là-bas, comme ça pousse vraiment fort, on, a, on, a, on commence à travailler sur des couverts euh, permanents, multi-étagés. Donc, on a des petites graminées rampantes au sol. On a des espèces de lianes, là, la vigna lutéola, qui est rampante encore par-dessus. Et puis, on essaie de voir comment tout ça se, se comporte l'un avec l'autre. Et s'il y en a une qui va dominer ou pas. Donc, tout ça est encore exploratoire. Mais euh, ici, chez nous, peut-être il y a des plantes spontanées intéressantes, mais on voit que. Dans la ressource génétique euh, présente dans le commerce, euh, on a largement de quoi faire pour faire du couvert permanent. Euh, Peut-être que ça peut valoir le coup de travailler avec des plantes spontanées, mais en tout cas, dans cette première phase d'essai, on ne ressent pas le besoin d'aller rechercher des plantes spontanées. Donc il y a ça. Après, bon voilà, on a fait d'autres essais qui étaient un peu moins concluants. On s'était amusé à, à semer un plantain, là, je ne sais plus comment il s'appelait. Bon, ça a fait de la biomasse, mais. Euh, Ma foi, ça ne supporte pas très bien la fauche, ce n'est pas super intéressant. Euh, on a essayé beaucoup de couverts fleuris. Donc, euh, on a regardé chez les semenciers tout ce qu'il y avait en termes de couverts fleuris, avec des coquelicots, des facéli, tout un tas de trucs. Euh, c'était beaucoup de plantes annuelles, en fait. Et euh, il y a sans doute un champ exploratoire qu'on n'a pas fini d'explorer, justement. Euh, mais ce qu'on a essayé, nous, en tout cas, cette année, en termes de couverts fleuris annuels, c'était pas très concluant. Pour deux raisons c'est que euh, c'était pas très couvrant, quand ça avait fini son cycle, ça mûrissait et puis après, euh, ça arrivait plus ou moins à se ressemer, mais en fait, c'était quand même pas très couvrant, ça colonisait pas très bien les espaces où ça avait été mal semé. Pour avoir les fleurs, qui elles, peut-être, allaient avoir un intérêt, il fallait laisser monter les plantes très, haut, très hautes, et ça, c'était gênant pour la conduite des cultures. Et donc, on les a quand même laissés monter en fleurs. Et quand on a fait nos mesures de biodiversité, au final, on s'est rendu compte que euh, c'était vraiment, il y avait une corrélation assez forte entre production de biomasse au sol et retour de la biodiversité. Et nos couverts fleuris, en fait, quand on a fait les mesures de biomasse, en fait, n'amenaient pas énormément de biomasse. Et donc, on n'avait pas énormément de biodiversité au sol. Tous les réseaux trophiques des composeurs qui sont au sol n'étaient pas très présents. Et nous, c'était d'abord ça qu'on cherchait à faire revenir. Ce n'était pas forcément les libellules et les papillons, c'était d'abord tous les petits réseaux trophiques au sol qui décomposent, qui nettoient les plantes vivantes de tous les déchets organiques. Et ça, c'est vraiment sur les menthes, sur les trèfles, sur les luzernes, sur les fétucs qu'on a retrouvé cette biodiversité-là. Donc après, euh, les fleurs, elles ont quand même ramené toute une autre biodiversité. Euh, qui n'est pas euh, complètement inutile. Donc on a vu énormément de petits insectes volants, des cirfs, etc., à revenir. Donc la question aujourd'hui pour nous, c'est plutôt euh, la conclusion qu'on en a tirée, c'est qu'il nous fallait des couverts à très très forte biomasse, rampant euh, et qu'il allait falloir réfléchir à comment on allait ramener un petit peu de fleurs dans ces couverts-là. Et peut-être qu'on n'allait pas les ramener dans les couverts, mais euh, au bout de nos planches de culture, au pied des poteaux, on ne sait pas encore trop, là on n'a pas trop réfléchi à la stratégie, euh, pour pouvoir amener un petit peu de, de fleurs quand même dans les systèmes. Donc voilà, ce n'était pas super concluant. Peut-être qu'une plante comme la facélie serait un relativement bon candidat, parce qu'on voit quand même que c'est une, bon, une fleur qui ne coûte pas cher. Euh, et quand on la sursème, même dans un couvert de trèfle, elle arrive quand même à se développer, elle n'est pas très haute. Donc euh, voilà, on n'a pas beaucoup avancé sur ce sujet-là. Ce qu'on a vu, c'est que les couverts qu'on nous vendait dans le commerce, ils n'étaient pas très intéressants parce qu'ils étaient trop hauts. Euh, ils étaient gênants pour la conduite des cultures. Et donc il y a encore un petit champ exploratoire à, à développer là. Euh, Qu'est-ce qu'on a essayé d'autre Bon on a essayé un certain nombre d'autres plantes, mais pas très très intéressantes. Donc voilà, pour conclure, euh, tout ce qui est trèfle en plan, tout ce qui est menthe, ortie. Graminier, il y aura encore pas mal d'essais à faire. Je pense que dans les gammes de Graminier, il y a beaucoup de choses. Euh, là, on a vraiment euh, pris ce qui traînait au magasin et, et à la COP. Euh, mais déjà, c'était assez concluant. Voilà, voilà pour les couverts. Et donc maintenant, la question, c'est comment on va les gérer Alors, la réflexion sur la gestion du couvert permanent, euh, elle n'est pas très compliquée. On a un couvert qui pousse. Il faut lui laisser... Une certaine hauteur de, de développement végétatif. Et il faut pouvoir venir régulièrement, ça va dépendre des couverts, ça va dépendre de la saison, passer simplement un petit coup de débroussailleuse, voire même un coup de tondeuse. Pour l'instant, on n'est pas encore complètement arrêté sur les outils qu'on va utiliser, mais on a un peu l'embarras du choix pour aller euh, faucher les couverts. Euh, la contrainte qu'il y avait, c'est qu'il fallait qu'on puisse avoir l'irrigation, les supports de liane. Euh, les pieds de, des cultures alignés sur le rang au milieu pour pouvoir sur les côtés venir faucher. Donc, on, on a mis au point ce, ce petit modèle de support de liane. Donc, c'est juste deux fils pliés de 7 mm galvanisés qui sont enfoncés de 40 cm dans le sol à la masse. Euh, pour que ça coûte pas trop cher, en fait, euh, euh, ils sont en deux parties qu'on a relié avec un, un petit bout de tube en plastique. Alors je dis pour que ça ne coûte pas trop cher, parce que notre premier prototype, c'était un seul fil qui était plié dans le fond, et le pli du fond était a priori une opération compliquée à faire pour notre, notre fabricant de fil. Donc on lui a fait faire un truc plus simple, on lui a fait faire des demi-supports, donc vous voyez, ils, ils peuvent tourner un peu comme ça, et on les a euh, solidarisés avec un petit bout de tube PE. On les a enfoncés à la masse, on, a juste, on est juste venu après installer l'aspersion avec un petit bout de fil métallique. Et ma foi, ça semble tout à fait opérationnel. La seule petite difficulté qu'on va avoir, c'est qu'on va venir mettre les, les, les tomates ou les concombres entre chaque support de liane. Et évidemment, quand on va débroussailler, il va falloir éviter de euh, en mettre un coup. Mais comme ils vont être alignés... Parfois, si on fauche le couvert sur le bord et qu'on le fauche un peu moins au centre, bah, ça ne va pas être très gênant, c'est rien de bien grave. Euh, ça sera de toute façon fauché en fin d'année quand les cultures euh, seront arrivées à, au bout. Et puis, ça va bien se passer. Donc voilà, globalement, c'est quand même relativement simple. Euh, Peut-être qu'on y trouvera des améliorations à ces supports de liane, mais pour l'instant on en est assez satisfait. J'avais un peu peur de la résistance mécanique. Et puis en fait, une fois que c'est solidarisé avec le, le tuyau d'aspersion, bah, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. On avait réfléchi à différentes choses, euh, faire des U métalliques, euh, on avait des, des poteaux, tout ça. Et puis au final, ça c'est la, la, la solution technique qui s'est avérée la, la plus intéressante. Euh, J'ai plus le prix exact en tête, euh, mais on est autour d'un euro le un petit peu plus d'un euro le support de liane. Donc là, on a pris du 7 mm. Ma foi, si on avait pris du 6 ou du 5, ça aurait fait beaucoup moins de métal et donc ça aurait réduit fortement le prix. Euh, voilà. Mais voilà, je voulais sécuriser un peu le truc, donc j'ai pris du fil assez costaud euh, et puis ça durera un, un paquet d'années. On va voir ce que ça donne en termes de résistance mécanique quand on va voir toutes les lianes qui vont venir poser avec les grappes de fruits dessus. Euh, L'idée, c'est quand même que plus c'est haut. Plus on a du confort de travail après pour la récolte et la taille. Et puis plus on a de la souplesse pour venir faucher sans abîmer les fruits et, et les plantes. Donc pour résumer, l'an dernier, on a mis au point une stratégie de remise en vie des sols. Je remets de la matière organique, je mets des vers de terre, tout ça se multiplie, on sème découvert, on regarde comment tout ça se développe. Donc je vous ai résumé un petit peu le résultat de tous nos essais. Maintenant on se retrouve dans cette serre, en fait avec un certain nombre d'andins. Euh, de culture où on a des couverts très très développés, très bien implantés très bien enracinés donc le challenge cette année ça va être quoi ça va être de trouver une méthode d'implantation de nos cultures dans les couverts permanents ma foi je pense que ça va pas être très compliqué, on va faucher une fois ou deux les couverts, on va faire un gros trou on va mettre les, les, les pieds de tomates, les pieds de concombre dedans on va faire aussi des essais sur courgettes poivrons, aubergines euh, peut-être un rang de haricots ou deux aussi pour voir ce que ça donne euh, donc, la stratégie, ça va être très simple, ça va être de faucher le couvert avec l'idée toute simple que si vous fauchez une ou deux fois euh, le couvert, en fait, vous le calmez végétativement. Donc, à chaque fois que vous le fauchez, qu'est-ce qu'il est obligé de faire le couvert Il est obligé de remobiliser des sucres dans ses racines pour refaire de la nouvelle végétation. Donc, là, je parle d'une fauche bien rase. Et quand vous faites ça, bah, en fait, il est beaucoup moins concurrentiel sur le plan racinaire le temps qui refasse euh, sa végétation. Donc je pense que deux fauches, ça devrait être la bonne technique, on va voir, on va faire quelques essais, mais ça, ça m'inquiète pas trop. L'idée aussi, c'est de faire un trou assez profond, pas forcément très large, mais assez profond, pour casser tout le système racinaire du couvert, et que quand on va venir mettre la, la culture, elle puisse s'enraciner dans cette espèce de cheminée, j'ai envie de dire, de conduit, où il n'y aura pas la concurrence trop directe du couvert permanent. Donc si on l'a fauché, le couvert, qu'on fait un gros trou, il ne devrait pas recoloniser cet espace sous la culture trop rapidement. Donc je ne sais pas encore comment on va faire ça, une perceuse, une petite tarière, un truc, bon, il faut quelque chose de pas trop lourd, qui soit quand même assez rapide. Euh, on est encore en train d'y réfléchir. Euh, donc voilà, première, euh, première problématique, c'est comment on va implanter les cultures. Euh, bon bah ça de toute façon on va voir le résultat assez rapidement. Et si on voit que ça se passe pas très bien, on pourra toujours revenir mettre un petit peu d'engrais soluble au pied de chaque pied de tomate pour l'aider à redémarrer. Ensuite, l'idée c'est quand même qu'à partir du moment où votre culture elle a une surface foliaire, je dirais, qui est euh, au-dessus du couvert, donc elle peut, faire, elle peut prendre le soleil et qu'elle a un système racinaire suffisamment raciné, il n'y a aucune raison en fait qu'elle prenne pas le dessus sur le couvert. Et si on voit que le démarrage est un peu lent, que l'implantation s'est faite, mais malgré tout qu'il y a un peu de concurrence dans les premiers stades, on peut refaucher encore le couvert pour le calmer encore. Euh, voilà, ça, ça va être des, des petits curseurs à, à appréhender. Ensuite, donc, on a des andins avec des couverts permanents très bien installés. Ce qu'on va essayer aussi comme modalité, c'est tout simplement de refaire des andins avec une ration du sol simple et double, c'est-à-dire que. Euh, on a des andins où on va avoir rajouté à peu près 100 tonnes de broya secs à l'hectare, des andins où on va en avoir rajouté 200 tonnes, et des andins où on n'a rien mis, rien remis du tout. Il n'y avait pas de couvert l'an dernier, les andins se sont tassés parce que les vers de terre ont tout mangé, et donc on va rien remettre du tout. Ça, ça va nous servir d'andin témoin, euh, parce qu'en fait, peut-être qu'il n'y avait pas besoin de remettre de matière organique, peut-être qu'il n'y avait pas besoin du couvert permanent, puisque. Avec ce qu'on a mis en place l'an dernier, il y avait peut-être déjà encore bien assez de fertilité pour faire pousser les cultures. Donc voilà, modalité sans aucun apport, où on va utiliser la fertilité qui a été mise en place l'an dernier. Des modalités avec 100 tonnes de matière sèche hectare, 200 tonnes de matière sèche hectare, et des modalités couverts permanents. Et ça, ça va nous permettre quoi Ça va nous permettre donc, sur les endins où on n'a rien remis, de voir, je dirais, euh, le niveau de fertilité si on n'avait rien fait par rapport à ce qu'on avait fait l'an dernier. Et sur toutes les autres modalités, bah en fait, on va simplement mesurer les variations de croissance. Euh, et ce qui nous intéresse beaucoup cette année, c'est de voir euh, les variations de croissance sur les couverts permanents, avec une réflexion toute simple c'est que si on a une perte de croissance de 10% 20% 25% 30% sur les couverts permanents, bah, ça veut dire quoi ça veut simplement dire que nos sols euh, manquent de 10 20 30% de services écologiques en tout, cette année et que donc bah, il faut simplement imaginer que euh, si on veut se lancer dans le couvert permanent la deuxième année on n'est pas encore complètement en autofertilité bon ça dépend de ce qu'on a mis la première année mais en tout cas sur ces essais ici et que donc il va falloir compenser soit avec euh, les besoins en engrais à 10, 20 ou 30 ou les besoins en matière organique à 10, 20 ou 30 voilà, C'est des raisonnements un peu bébêtes, mais je pense que ça marche très bien. Et donc, si on voit euh, là, dans nos essais de couverts permanents, une, une baisse de croissance de production de 20 ou 30 sur la moitié des andins, on viendra refaire des modalités engrais ou apport de matière organique euh, à faible granulométrie pour qu'elle soit mangée très vite, pour voir si on arrive à récupérer une, des niveaux de croissance optimales. Alors pour revenir un petit peu sur le sujet de la biodiversité, et, et bien tout reprendre de zéro, dans un écosystème, la biodiversité, c'est déjà une biodiversité végétale au-dessus du sol euh, qui n'a pas forcément justement besoin d'être très très diversifiée. Pour regardez une forêt monospécifique dans les forêts, ma foi bah, vous avez quand même un écosystème qui fonctionne bien, qui rend énormément de services écologiques, qui fait de la photosynthèse, de l'eau propre, etc. Alors que vous êtes sur des forêts de monoculture. Donc il faut quand même bien sous-peser cette question de la biodiversité sans forcément chercher à en remettre gratuitement dans tous les sens. C'est pas parce que vous êtes amusé à mettre 773 plantes différentes dans votre système que vous avez forcément un système qui fonctionne bien. Il faut prioriser un peu les choses. Donc moi je le vois comme ça un peu aujourd'hui, c'est que la priorité c'est de la biomasse, de la biomasse, de la biomasse. Et si pour faire cette biomasse, on doit passer par un système, je dirais assez pauvre en biodiversité végétale, euh, mais que cette biodiversité végétale, elle est adaptée pour produire beaucoup de biomasse dans le contexte, eh bien c'est le choix qu'il faut faire. Donc aujourd'hui, par exemple, euh, une monoculture, enfin un couvert permanent euh, monospécifique de menthe nous a amené des bien meilleurs résultats sur la biodiversité autre que la biodiversité végétale, que du couvert fleuri, parce que le couvert fleuri, les mélanges de couvert fleuri qu'on a trouvés dans le commerce, euh, n'étaient pas très productifs en biomasse. Ce qui ne veut pas dire que si on rajoute un peu de biodiversité dans notre menthe, euh, un peu de biodiversité végétale, on n'aura pas encore un résultat meilleur. Mais premier objectif, produire beaucoup de biomasse, et, euh, et ensuite on verra. Alors pourquoi je dis ça Parce qu'on a fait des mesures de biodiversité euh, cette année, avant tout sur le sol et au-dessus du sol, pas forcément, en, enfin on en a fait en aérien, mais tout ce qui est insectes, oiseaux, comme ça, ça c'est bon, un peu plus compliqué à mesurer, à capturer, euh, alors que pour faire de la capture de, de petites bêtes dans le sol et à la surface du sol, c'est quand même un peu plus simple. Donc on a démarré là-dessus. Alors quel a été le résultat Le résultat était assez simple et la conclusion n'est pas très compliquée non plus. Euh, partout, on a mis de la matière organique fraîche, c'est-à-dire partout ici, on a eu un retour d'énormément de biodiversité non végétale, donc toutes les petites bébêtes du sol, et on en a, euh, je dirais, récupéré très très rapidement, très très rapidement, on a récupéré une biodiversité qui est tout à fait similaire à ce qu'on va trouver dans la nature. Donc, on est sur des niveaux de biodiversité qui reviennent extrêmement vite. Ça, c'est quand même quelque chose à retenir. Quand on nous parle d'effondrement de la biodiversité, etc., euh, à partir du moment où on remet les bonnes pratiques, en fait, tout va extrêmement vite. Et la logique, elle est assez simple c'est que si vous avez des bestioles qui ont des cycles de quelques jours, ben en fait, ils ne mettent que quelques jours à revenir. Si vous avez des bestioles qui ont des cycles de reproduction de quelques semaines, et ben en fait, elles ne mettent que quelques semaines à revenir. Alors, surtout sur une petite serre comme ça, où il y a un peu des fuites partout et où, on va dire, ce n'est pas très propre, ça n'a pas été désinfecté, comme on peut voir chez, dans, dans les serres chez certains producteurs. En fait, on a un retour de la biodiversité, je dirais, qui est instantané, euh, à la limite du, enfin, je dirais proportionnellement euh, au, au, à la longueur du cycle de reproduction de la bestiole. Donc, à partir du moment où on a mis de la matière organique, on a retrouvé énormément d'insectes dans le sol et certaines, certaines grosses bestioles ont mis un peu plus de temps à revenir, mais en tout cas, c'est extrêmement rapide. Sur, le sur les couverts permanents, on a vu exactement la même chose. Les couverts on les a semés, ils ont germé, on les a plantés, ils ont commencé à se développer. Et en fait, on a eu un retour de la biodiversité au-dessus du sol. Euh, tout ce qui est petit acarien, etc. Enfin, je vous passe les détails, mais ça, en soi, ça n'a même pas une, une très grande importance. Mais on a eu un retour de la biodiversité au-dessus du sol qui a été extrêmement rapide et qui a tout simplement suivi le développement végétatif du couvert. Plus le couvert a commencé à être couvrant, plus on a vu proportionnellement de la biodiversité revenir au-dessus du sol. Et plus le couvert était productif en biomasse, plus il était dense, plus il faisait de l'ombre au sol, euh, et ben en fait plus on a retrouvé de bestioles. Et ça n'était pas for forcément lié, comme je disais, au nombre d'espèces végétales qui avait au-dessus du sol. La première corrélation qu'on a observée, c'est plus on a de biomasse, plus on est couvrant, plus on a de la biodiversité qui revient. C'est à peu près aussi simple que ça, et là aussi on retrouve des niveaux de biodiversité qui sont très proches de, de ce qu'on trouve dans une prairie, dans une litière forestière ou des choses comme ça. Donc ça c'était vraiment le résultat très intéressant. Si les bestioles elles ont un cycle de reproduction court, elles reviennent très très vite. Et si elles ont un cycle de reproduction un peu plus long, bah, elles mettent un peu plus de temps à revenir. Donc tout ça était assez intéressant, on a vu énormément de prédateurs de tous types, des punaises, des araignées, des, on a même des guêpes qui ont commencé à, à recoloniser les serres. Et donc, ma réflexion là-dessus, c'était que malgré tout, on n'avait peut-être pas assez de super prédateurs, de, de vraiment grosses bestioles carnivores qui bouffent tout. Et que peut-être, elles, elles avaient un problème d'habitat, parce que c'est plutôt des, des grosses bestioles. Et donc, ce qu'on va essayer de faire cette année, c'est déjà de recommencer un petit peu nos mesures, de, mais en en faisant moins, recommencer nos mesures de, de biodiversité dans le sol, au-dessus du sol, mais aussi de recréer de l'habitat artificiel avec tout un tas de pots, de bouts de tubes, de petits morceaux de bois percés dans tous les sens, pour voir si en amenant une quantité importante d'habitat, on va réussir à faire revenir des, des plus gros insectes euh, qui vont être des prédateurs supérieurs, qui vont réguler l'ensemble des, des réseaux trophiques. Donc, ça, c'est un peu la, la dernière phase euh, de réflexion. C'est vraiment comment euh, ramener la, toute la biodiversité, même celle qui est un peu plus difficile à faire revenir, parce qu'on va être confronté à une problématique d'habitat. Donc, comment on va mesurer le résultat sur la biodiversité et pourquoi on cherche à remettre en place cette biodiversité Alors, c'est déjà pour avoir euh, une bonne décomposition de la matière organique, ça, c'est la biodiversité du sol, avoir un couvert qui se développe correctement. Et qu'il lui-même ne soit pas attaqué par des phytophages et tout un tas de parasites. Donc, il faut qu'il ait lui-même son propre système de régulation. Et ensuite, on veut essayer d'avoir dans la serre suffisamment de biodiversité, de réseaux trophiques, des super prédateurs, des carnivores de tout type pour aller manger tous euh, les parasites des plantes. Donc, le résultat, il va être assez simple. Hein, C'est que partout où on va voir des plantes qui se font ravagées par des, des ravageurs, justement, bah, ça voudra dire que possiblement on a encore un problème de biodiversité. Et l'autre hypothèse, bah, c'est aussi que peut-être, possiblement, on va avoir euh, des plantes euh, qui ont trop de fertilité, qui ont des problèmes d'irrigation, euh, des plantes qui ont besoin de lumière, qui tout d'un coup, se, par exemple, si certains couverts ont besoin de lumière euh, et qui se retrouvent trop à l'ombre, bah, peut-être que ça va les faire souffrir et donc ils vont se faire attaquer par des parasites. Donc il y, y a quand même pas mal de petites choses à, à regarder. Mais le résultat, pour nous, le premier à avoir, bah, c'est d'avoir des, des plantes saines, en bonne santé. Donc voilà, on a fait tout ça. Reconstruire les sols, des essais de couverts végétaux, un travail sur la biodiversité qui est assez exploratoire, mais où en fait on a vite tiré des conclusions assez simples pour pouvoir avancer. Et ce qu'on va faire cet été, mais ça, ça donnera lieu à des futures vidéos, c'est qu'on va faire un travail assez complet sur les indicateurs de valeur nutritive des cultures. Et on va commencer par des indicateurs très simples, alors taux de matière sèche. Aujourd'hui, clairement, on se rend compte. En ayant fait des mesures chez différents producteurs de tomates à variété équivalente, qu'en fait on a des grosses variabilités de matière sèche. Euh, on s'en rend compte, c'est assez clair, euh, si on met beaucoup d'eau, si on met beaucoup d'engrais euh, minéraux, nitrates et compagnie, on a des plantes turgescentes. Euh, on a ré aussi, réussi à avoir des plantes turgescentes en sol vivant aussi, euh, notamment avec des sols très très fertiles en début de saison, avec peu, dans des saisons où il y a peu de lumière et des plantes donc ont peu de besoins. Euh, et donc, qui se retrouvent à être très turgescentes, et donc avec des niveaux de matière sèche très faibles. Donc, en gros, les, les fruits à la fin, c'est quand même de la flotte. Euh, donc, on a un peu de travail euh, sur euh, la régulation de tout ça. Alors, je pense que le couvert permanent va être une bonne solution pour, régler ses, pour lisser la fertilité tout le long de l'année, puisque si à un moment donné, on a des excès de fertilité, une plante comme la menthe va être en, en capacité d'absorber tout cet excès de fertilité. Donc, il y avoir une réflexion à mener là-dessus. Donc, matière sèche dans un premier temps. Euh, on le fera, la matière sèche, on va la mesurer. Ça se fera aussi peut-être par la mesure de la densité des tissus. Euh, ça, on est en train de mettre au point le protocole. Un point, un indicateur très important, c'est le nitrate aussi. On le voit tout de suite dès qu'il y a de la surfertilité et euh, de la surfertilité qui est suffisamment importante pour amener des problèmes sanitaires. Ça se lit tout de suite. Quand on mesure les nitrates sève, les nitrates de fruits et les nitrates sol. Et puis après, on va faire tout un tas de, de mesures assez classiques pour essayer de corréler les choses. Donc, taux de sucre, brix, euh, tout ce que nous permet de faire la mallette Oriba, là qu'on utilise. Donc, euh, bon, tous les oligos, NPK, divers et variés. Euh, donc, on va faire toute une batterie de mesures là-dessus. Et si possible, on va, on va faire les. Les vitamines C et les carotènes, euh, puisque c'est des mesures qui ne coûtent pas encore extrêmement cher, on va peut-être trouver du financement là-dessus. Et euh, vitamine C et carotène, c'est vraiment des, des éléments qui sont très très révélateurs de, de l'intensité photosynthétique du, de la plante et de sa bonne santé. En fait. Donc ça on va faire ça du mois de juin au mois d'août. Et donc on aura les résultats cet automne. Et ici ça va être quand même très intéressant parce qu'entre des modalités couvertes, des modalités, euh, je dirais, surfertilisées avec des doubles rations du sol et des modalités où on a re remis sur les andins. Je pense qu'on va avoir des grands écarts très intéressants sur, sur tous ces indicateurs-là. Je vous remercie de votre attention et puis euh, bah, on essaiera avec l'équipe de MSV Normandie de refaire une petite vidéo euh, d'ici quelques mois, euh, peut-être le mois prochain, où on vous présentera aussi donc tout le travail qu'on a fait au Serre de Marcel sur les couverts permanents en plein champ, sur courge. Là, on va faire euh, cette année tout ce qui est courge et courgettes sur couvert permanent. Et on a euh, toute une serre, là, une quintuple chapelle où on va faire toutes les cultures d'été sur un couvert de trèfle. Voilà, voilà. Merci. À la prochaine.